Je suis venu en Russie parce que mon livre est sorti avec une traduction en russe il y a presque un an, en tout cas 9 mois. Le traducteur, qui est aussi un ami que j'avais déjà rencontré lors de ma première venue en Russie, m'a dit que ça marchait très bien, que c'était un succès d'édition. Donc voilà, l'éditeur a souhaité me faire venir pour le Comic-Con. Et puis on en profite aussi pour faire un petit passage au Salon Morse, qui est un peu plus professionnel, en tout cas dans le domaine de l'illustration. C'est ma deuxième fois. J'étais déjà venu aussi avec l'Alliance française pour faire quelques conférences à Moscou et à Saratov. Misha, qui est mon traducteur souvent, enfin pour la deuxième fois quand je viens en Russie, me raconte un petit peu comment se transforme le marché russe. C'est vrai qu'il était vraiment balbutiant la première fois que je suis venu, et je vois bien qu'il s'est vraiment étoffé depuis, alors ça fait je crois 5 ans que je suis venu, donc maintenant il y a beaucoup plus de BD, et Misha me dit que ça marche un petit peu mieux, et je vois aussi dans le public qu'il y a un vrai public de passionnés. J'ai fait pas mal de dédicaces aujourd'hui, je pense que demain ça va être pareil. Et c'est vrai que la première fois que j'étais venu, j'avais pas de livre traduit, mais j'ai rencontré beaucoup d'étudiants qui étaient plutôt dans l'art et l'illustration, et là je vois qu'il y a vraiment un peu plus d'engouement pour la bande dessinée, même si ça reste un petit marché. En fait, moi j'avais travaillé sur les Fables de La Fontaine en bande dessinée, dans des collectifs, et j'avais vraiment bien aimé travailler avec des animaux. Quand je me suis intéressé à ce roman des Enfants du Capitaine Grant, en le lisant, j'ai tout de suite imaginé avec des animaux. Alors, d'abord à cause de mon travail précédent, aussi parce que les séries animées qui ont baigné notre enfance étaient souvent animalières, les séries qui venaient du Japon, Le Tour du Monde en 80 jours ou Sherlock Holmes. Donc il y avait peut-être un petit souvenir comme ça. Et puis Jules Verne, il avait une description des pays très très réaliste dans ce roman, mais par contre le récit est assez rigolo. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pas complètement réalistes. Il y a un tremblement de terre, une inondation, un incendie dans les 4 mêmes séquences, donc il fallait montrer le côté un petit peu décalé et un petit peu jeunesse par le dessin, et du coup j'ai eu envie de le faire avec des personnages animaliers. Oui, j'ai fait quelques timbres. En fait, ça s'est fait un peu par hasard. J'avais proposé des projets à la personne qui s'occupait des timbres à l'époque. Alors c'est il y a quand même quelques années. Hein. Et du coup, j'ai été amené à faire plusieurs carnets de timbres. Un carnet de vœux avec 3 timbres différents, un carnet sourire avec des petites illustrations humoristiques. Et puis après, le dernier que j'ai fait, c'était un carnet de naissance. Avec c'est un garçon, c'est une fille, avec un timbre à gratter, c'était assez rigolo. Peut-être pas depuis que je suis enfant, mais en tout cas depuis que je suis étudiant, ce qui m'intéresse dans l'illustration et dans la peinture aussi, on peut dire, c'est le travail de la lumière, des contrastes et de la couleur. Les premiers comics que j'ai aimés, par exemple, c'était les quelques rares artistes qui faisaient de la couleur directe ou qui travaillaient la lumière. C'est ce qui m'a intéressé aussi dans la peinture classique, donc c'est vraiment ce travail qui m'influence. Dans Les Enfants du Capitaine Grant, l'univers est très 19e et je voulais retrouver un peu un univers baroque et faire des clins d'œil un peu au monde de la peinture classique. Et du coup, je me suis beaucoup inspiré de la peinture classique, que ce soit pour voir comment on dessine les arbres ou les nuages, et puis retrouver les tonalités chaudes des peintures aussi un peu passées par le temps. En fait, moi, depuis que je suis enfant, j'aime bien la bande dessinée. J'en avais pas beaucoup chez moi, mais comme je m'ennuyais beaucoup, j'ai énormément dessiné et assez vite j'ai eu envie de faire de la bande dessinée. Après, pendant mon cursus étudiant, donc j'ai fait un bac art appliqué, puis un atelier d'art décoratif. Et c'est vrai que pendant ce circuit étudiant, j'ai un peu regardé plusieurs autres pistes. C'est vrai qu'on avait accès, on faisait un peu de dessin d'architecture, un peu de dessin textile. Dans mon atelier d'illustration, on faisait l'illustration didactique, l'illustration jeunesse, et pas que BD. Du coup, ça m'a un peu ouvert les horizons. Et donc, j'ai travaillé beaucoup dans l'illustration jeunesse, mais je suis revenu à ce qui me plaît le plus, qui est quand même le bande dessinée. Mes futurs projets, j'avais réalisé une histoire de Mickey chez Glénat dans une toute nouvelle collection qui était un peu une idée de Jacques Glénat de reprendre Mickey et l'univers de Mickey par des auteurs franco-belges. Donc il y a plusieurs dessinateurs qui se sont mis dans cette aventure, Loisel étant le plus connu et la tête de la collection. Et donc c'est le dernier livre que j'ai réalisé. Donc on a proposé un autre projet dans ce sens-là. Et puis après j'ai d'autres pistes. J'ai commencé un autre album avec Lewis Trondheim, qui est un peu dans l'univers aussi de Mickey à sa jeunesse.
Comme tout le monde, j'essaye d'apprendre les mots de politesse pour essayer de ne pas passer pour un rustre. Donc, Dobri den, spasiba, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai vraiment du mal à retenir, c'est vrai.